Eh bien, bah, c'est la manif récurrente de Vigimédia tous les premiers samedis du mois, qui tombe en plus avec la journée internationale des médias sans le virus. Donc aujourd'hui, on a quelques Anglais qui sont parmi nous, puisque cette initiative des médias sans le virus est née en Angleterre. Mais voilà, il y a plusieurs pays qui s'y associent, comme la France, l'Italie, l'Australie, les États-Unis. J'en oublie peut-être encore. Mais en tout cas, voilà, on est là pour rappeler à ces chers journalistes que la charte de Munich, bah, il faut la respecter. Nous, on est pour la liberté de la presse. On est aussi pour la libération de Julian Assange. On est pour une information avec une pluralité des opinions, ce qui n'est pas du tout le cas dans les médias de masse français. Donc on est là pour faire pression auprès des journalistes, pour qu'à un moment donné, l'information soit réelle dans notre pays. Ah ben, on a nos chers ministres qui ont le temps, hein, pendant une crise sans précédent en France, due à des réformes, en l'occurrence là, la réforme des retraites avec le 49-3. En tout cas, on a des ministres qui ont le temps d'écrire des livres, des romans, avec des passages assez éloquents, a priori. Donc nous, on estime que ceux qui sont dilatés comme jamais, ce sont les journalistes, puisque justement, ils sont à la botte du pouvoir. Ils servent la soupe du gouvernement. Donc c'est ceux qui sont dilatés comme jamais, pour nous, c'est eux. Ce sont les journalistes des médias de masse. On vous appelle LCU, hein, parce que visiblement c'est la propagande ukrainienne que l'on doit se bouffer chez vous. Et donc on est un petit peu fatigué par votre propagande favorable à l'OTAN, qui vise à laisser entendre que la France devrait littéralement entrer en guerre avec la Russie. Réellement, c'est juste la première puissance nucléaire au monde. C'est une alliée de deux guerres mondiales contre nos ennemis séculaires que sont les Allemands et nos ennemis d'aujourd'hui que sont les États-Unis d'Amérique. Alors je voudrais savoir, il y a un certain François Fillon qui a été reçu récemment en commission parlementaire sur les ingérences que subit la France. Et il se trouve qu'il n'a pas été le seul à dire qu'en fait, c'était pas la Russie vraiment le problème de la France en termes d'ingérence, mais les États-Unis d'Amérique. Alors on vous a pas tellement entendu parler des guerres choupoutou et démocratiques des États-Unis en Irak ou ailleurs dans le monde. Ça, c'était des guerres, très bien. Quand Sarko, il a envahi la Libye, mais ça n'a choqué personne, il n'y a pas eu un seul journaliste qui s'est posé la question, peut-être que nous qui avons ratifié les statuts de Rome, les statuts de Rome sur la CPI, la France les a ratifiés, pourquoi on n'a pas envoyé Sarko au tribunal international de La Haye, vu qu'il a envahi la Libye de manière tout à fait illégale? Vous nous faites chier avec la Russie, mais est-ce que vous regardez ce qui se passe de notre côté? Est-ce que vous invitez des gens qui sont capables non seulement de vous dresser l'historique de cette guerre de merde, par exemple de vous parler d'une certaine Victoria Nuland et de ses ingérences en Ukraine, de vous parler d'un certain Ior Kolomoïski, celui qui a été le producteur et l'argentier de Zelensky, votre petit chouchou cocaïnomane, celui qui n'a jamais respecté les accords de Minsk et qui a envoyé son pays à la guerre. Ça vous intéresse pas? Les néoconservateurs, c'est un mot qu'on n'entend jamais pour expliquer d'où nous vient cette idéologie de merde et de va-t-en-guerre. Pourquoi on n'entend pas parler d'un certain nombre de protagonistes
qui veulent la guerre avec la Russie, pourquoi encourager les Français à vouloir la guerre avec la Russie? Nous, nous sommes des simples gueux. Ce que vous appelez très régulièrement pour nous disqualifier des complotistes. Nous sommes aussi des gens qui refusions que nos libertés fondamentales sur le droit d'aller et venir, sur le droit de faire nos propres choix médicaux en conscience sur notre propre corps, toutes ces libertés que nous avons défendues, vous, vous avez appelé ça du complotisme, du populisme, des anti-vax. Voilà à quoi vous nous avez réduit. La misère intellectuelle de la bobocratie parisienne. Vous êtes tellement conformistes, d'ailleurs payés pour ça, recrutés pour ça, que vous n'êtes pas foutus d'avoir un minimum d'éthique et de déontologie professionnelle et de considérer que vos opinions s'en branlent, que vous êtes censés être juste des passeurs de paroles, des rapporteurs de faits. Vous n'êtes pas des journalistes. D'ailleurs, vous êtes des lâches, de réels lâches. Un vrai journaliste, une personne qui se pose des questions, quand elle voit quelque chose d'un petit peu nouveau, qui n'est pas commun, des citoyens qui viennent directement devant ses locaux pour dire « ça va pas ». Un bon journaliste, il se dit « tiens, c'est étrange, si j'allais discuter avec ces gens, si j'allais les interroger, faire mon boulot de journaliste. Et même si je leur donne pas la parole parce que ma direction éditoriale ne veut certainement pas que des méchants complotistes puissent s'exprimer, bah dire moi en tant que journaliste, j'aimerais bien que les gens considèrent mon métier avec un certain honneur, qui me détestent pas. J'ai pas envie, sous prétexte d'être journaliste, d'être détesté. Mais vous en branlez. Vous êtes tellement veuls, vous êtes tellement lâches que vous faites propagande et vous vous planquez derrière vos tours d'ivoire. Vous êtes des planqués. Je tiens à vous rappeler qu'au sortir de la guerre, ce qu'on appelle les lois de Nuremberg, le procès de Nuremberg, il n'y a pas eu que des politiciens en France ou en Allemagne ou ailleurs qui ont été condamnés à être pendus. Il y a aussi eu des journalistes. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Oui, oui, on n'a pas perdu toute notre mémoire. Vous savez, vous nous faites chier avec cette logique mémorielle permanente pour toujours considérer que la France devrait être salie, que tout ce qui s'est passé dans notre histoire est là pour nous ruiner, pour nous dire qu'on n'a pas le droit d'exister, qu'on n'a aucune prétention à pouvoir être fier de notre pays. Vous le détestez, ce pays. Vous le haïssez. Eh bien, nous, pour le coup, la mémoire, elle n'est pas à géométrie variable. On connaît notre histoire. Et on sait très bien que lorsque des journalistes ont une pensée unique, c'est votre terme, c'est pas le nôtre. La pensée unique, c'est vous qui l'avez inventée comme concept. Eh bien, on sait très bien, messieurs, dames, que lorsque c'est le cas, on n'est pas en démocratie, on est bien dans un régime totalitaire qui nous impose, comme l'ont fait les soviétiques et les nazis en leur temps, une propagande et une censure visant à obtenir le consentement des populations. Alors vous êtes toujours planqués, on sait que vous êtes là, on vous connaît et on vous voit. Et toujours pas un seul putain de journaliste pour descendre et venir discuter avec nous. Vous avez tort, parce qu'un jour, ce ne sera pas quelques dizaines ou quelques centaines de personnes qui seront devant vos locaux. Ce sera des centaines de milliers, voire des millions. Et là, on n'aura plus du tout le contrôle. Et on ne chercherait même pas à l'avoir, à vrai dire. Ça vous dépassera. C'est pour ça qu'il serait plus intelligent de votre part de venir discuter avec nous, tant que c'est encore possible. Tant que vous avez encore la possibilité d'avoir des policiers qui assurent votre sécurité, des gens bien disposés qui restent pacifiques et civilisés. Mais vous croyez que lorsque la colère, lorsqu'elle aura atteint son summum, lorsqu'on sera au pic, au grand soir venu, que les gens vont vous pardonner? Vous savez très bien
que les Français vous haïssent. Vous avez les enquêtes du CEVIPOF. C'est pas tout à fait complotiste, c'est Sciences Po qui les fait avec un grand institut de sondage. Et qui témoigne que parmi les institutions les plus délégitimées par les Français, vient à ex aequo avec les syndicats et les partis politiques, les médias. Et oui, les Français contre toute attente, ceux qui mettent en haut du podium dans leurs préférences, c'est la police nationale, c'est l'armée, c'est tout ce qui est relatif aux soins, les hôpitaux, les pompiers. Mais les médias, vous n'avez aucune crédibilité. Tous les Français vous détestent. C'est pas les flics nous qu'on déteste, c'est les journalistes. Tout à fait. Il y a certains journalistes alternatifs qui vous donneraient des leçons dans votre métier. Extrême qualité de l'expression, qualité de la réflexion. On dirait presque que tu rattrapes justement les défauts des journalistes. C'est très très bien. Et les choses vont complètement dans ce sens. Aujourd'hui, les journalistes, bon, je sais qu'ils savent que c'est terminé, qu'il est temps maintenant de constater que la bataille est perdue, que leurs patrons, ceux qui leur donnent les ordres, qui leur donnent la dictée, eh bien, ont perdu, et qu'ils sont déjà, eux, en train de préparer leurs valises. Ça y est, l'affaire est close. Depuis 3 ans, la bataille qui a été menée par les gilets jaunes, tous les Français en révolte, a porté ses fruits. Et maintenant, ça y est, on est quasiment en phase d'épilogue. La bataille est perdue. Ces patrons-là sont à Kouya. Ils sont tous en faillite. C'est la fin. Et ça a été quoi? Ça a été le résultat d'un travail soigné, d'un travail de réflexion, d'études avec des Perronnes, des Orient Code, des Tubiana, avec des Alexis Poulain, avec des Berkoff, avec des gens courageux qui ont accepté d'être mis sur le côté et de souffrir pendant 3 ans d'être considérés comme des parias. Eh bien, c'est ça la résistance. La résistance, c'était comme ça. C'était dans le maquis. Et pendant ce temps-là, à Paris, pendant que les résistants étaient dans le froid, eh bien, les autres, ils faisaient la belle vie avec les Allemands, avec leurs patrons, pendant l'occupation. On a exactement la même chose. Ceux qui se sont régalés avec, en collaborant avec ceux qui veulent détruire l'Europe et la France, ceux-là, eh bien, il serait grand temps qu'ils préparent leur avenir pour eux et pour leur famille. Il serait temps. Reconnaissez ce qui se passe. Ce n'est pas nouveau. Hein, prenez les 100 jours de Napoléon. Vous avez un bel exemple. L'histoire se répète. Quand ? Elle se répète toujours. Quand la bataille est perdue, eh bien, il est recommandé à ceux qui ont collaboré, eh bien, de se faire tout petit et de faire amende honorable et de venir s'excuser, en l'occurrence, devant le peuple français pour tout le mal qu'ils ont fait à ce peuple. Ce sont les médias qui ont la responsabilité pratique d'enfoncer le peuple français dans les souffrances de ces 3 dernières années, de relayer la propagande pour que les gens aillent se faire injecter avec de la merde, avec un poison dont la nocivité est démontrée tous les jours, et ça n'en finira pas. Tous les jours, la démonstration est faite que c'était une pure escroquerie dont nous avons été victimes, et que les États-Unis en faillite
ont essayé de blouser une fois de plus les Européens et de leur forguer leur faillite et leurs dettes et leurs faux dollars qu'ils vont continuer à produire dans les mois prochains. Pourquoi ? Parce que l'État américain, la Fed, l'État fédéral américain ne peut pas payer au mois de juin, ne peut pas payer sa dette. Donc il va falloir encore mettre en route la planche à billets à nouveau et produire de la fausse monnaie, essayer de la faire gober au monde entier. Et bien maintenant, ça y est, on a des faillites en rafale et on ne peut plus les arrêter aux États-Unis. C'est terminé. On s'est fait avoir en 2008, on s'est fait avoir plein de fois, on s'est fait avoir pendant 3 ans avec ce pseudo-vaccin, cette pseudo-pandémie. C'est terminé, les Français, maintenant, ont compris dans leur chair, parce que chacun dans sa famille a quelqu'un qui est tombé malade, qui est mort à cause de ces injections de merde, de ce poison, à cause de ce coup monté. C'est terminé. La science, aujourd'hui, reprend ses droits. Donc, messieurs les journalistes, regardez ceux qui ont le courage, comme Berkoff, comme Poulain, et comme d'autres, qui ont le courage de parler envers et contre tous. Et prenez-les comme exemple. Il est temps encore de sauver vos fesses, de sauver votre peau en retournant dans vos livres, dans ce que vous avez appris au début de votre études. Vous êtes là pour servir la vérité. Servir la vérité et pas le mensonge. La première qualité d'un journaliste est d'avoir un esprit critique et de ne rien accepter qui ne soit pas l'objet d'une conviction. C'est ça, vous avez une responsabilité gigantesque. Pendant ces 3 ans, vous avez bousillé l'image du journalisme, de l'information. Il est temps de reconstruire. Ça y est, la bataille est terminée. La collaboration, c'est terminé. Les escrocs vont tous se retrouver en prison. Et la France va se redresser grâce à l'effort de tous ceux qui sont présents ici et qui se sont battus depuis 3 ans. Donc, messieurs, allez-y, messieurs, mesdames, les journalistes. Choisissez votre camp, celui du bon sens, de la vérité, de l'honnêteté. Il n'y a plus que ça qui soit respecté aujourd'hui. D'être de la propagande nazi-communiste mensongère pour avoir systématiquement propagé de fausses informations alarmistes et manipulées au sujet du Covid et d'autres pandémies, pour avoir délibérément stressé les esprits par une terreur injustifiée, pour avoir incité à l'hostilité et à la discrimination envers les Novax, en violant leurs droits, en les mettant à l'écart de la société, pour avoir gardé le silence sur le génocide vaccinal en cours, et pour avoir menti à plusieurs reprises sur la guerre et le climat. Vous êtes des journalistes criminels. Firstly, I'd like to say thank you for having me. We come from the UK. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais vous dire merci de nous avoir invités. We all know that the BBC protests and the media protests are going on global today. Nous savons tous que les protestations contre les médias sont en train de parcourir le monde à l'heure actuelle et de devenir globales. And we know from day one, especially from the last 3 years, the media has not told the truth. Et nous savions depuis le départ, spécialement et particulièrement depuis ces 3 dernières années, que les médias ne nous disent pas la vérité. And we clearly know that the media is controlled. We know it's controlled, and all they're going to do is put out, and they must support the narrative. But there's always two sides to the story. Nous savons
que les médias sont contrôlés. Nous le savons, qu'ils propagent le narratif, le récit, et qu'il y a toujours deux versions à toute histoire. And we need the media to put both sides of the story of what has happened over the past 3 years, at least the last 3 years. Et nous avons besoin que les médias parlent des deux côtés de l'histoire. Ils racontent la deuxième partie de l'histoire de ce qui s'est passé ces dernières années, et particulièrement ces 3 dernières années. We know what is going on globally is absolute tyranny. Nous savons que ce qui se passe tout autour du monde est une tyrannie absolue. Whatever country we come from, we know that the elites, the WEF, which is the World Economic Forum, they want to divide us. But we are unite and we are one. And if we stick together, we can win this silent war. Nous savons partout autour du monde que nos ennemis sont le WEF, le World Economic Forum, ou Forum économique de Davos, et leurs élites. C'est en nous unissant, en nous serrant les coudes tous ensemble, que nous pouvons résister à cette entité et à ces élites. And when I talk about the World Economic Forum, we know that they have infiltrated our governments globally. Et lorsqu'on parle du Forum économique de Davos mondial, nous savons qu'ils ont infiltré les gouvernements, thanks to young leaders, partout autour du monde. And we know, like I said, we are in a silent war right now, whether it be the chemtrails coming down above us, whether it be the media not telling the truth, whether it would be putting experimental injections into our loved ones over the last 3 years and not telling the whole truth. Nous savons que les médias ne nous disent pas toute la vérité, que ce soit les chemtrails ou les injections expérimentales. Depuis ces 3 dernières années, nous avons vu tous les mensonges que les médias peuvent nous propager à ces sujets-là. And we are a global freedom movement, okay? And we will get the truth out. And the media is not doing it. So we rely on independent journalists to get the truth out. Nous sommes un mouvement mondial pour la liberté indépendante. Nous sommes un mouvement indépendant mondial pour la liberté, pardon. Et nous savons que nous avons besoin des journalistes indépendants qui sont les seuls à faire ressortir la vérité. La vérité triomphera. Nous le savons. Like I said, we are fighting a silent war right now. Whether it will be the pension funds, and I understand that is a big thing in Paris right now. We know that they're going to rob our pensions globally. I urge everybody to research Agenda 2030, because all roads lead to Agenda 2030. Nous savons. Que cette guerre est silencieuse en ce moment. Nous savons aussi que ce qui se passe en France avec la réforme des retraites fait partie de cette guerre silencieuse. Et je vous invite à rechercher le mot-clé Agenda 2030. Toutes les routes mènent à l'Agenda 2030. Cette guerre silencieuse se fait contre cet Agenda 2030. Renseignez-vous au sujet de cette information. We're all mums, dads, grandparents, okay? We are just normal people fighting in like this silent war, like I said, okay? And we need the media to be held accountable. We need the police to be held accountable. We need arrest made for crimes against humanity. Nous sommes des pères, des mères, des grands-pères, des grands-mères, des personnes normaux et ordinaires qui nous battons pour la vérité. Nous avons besoin de mettre les médias face à leurs responsabilités, et nous avons besoin de demander des comptes aux médias, mais nous avons aussi besoin de mettre la police face à leurs responsabilités et de demander des comptes à la police pour nous sortir de cette situation. Okay, I'll end it with I want to say thank you so much for all my brothers and sisters for welcoming me in the UK today. But like I say, we need to stick together, okay? Because they want us divided. But together, we are many. God bless you all. Merci à vous de nous avoir accueillis aujourd'hui.
depuis le Royaume-Uni. Nous vous remercions. Nous avons besoin de nous tenir tous les uns coude à coude avec les autres. Merci à vous. LCI, qui sont en train de louper l'occasion de venir discuter avec un mouvement qui est parti d'Angleterre, qui s'appelle Media is a Virus, avec qui nous avons fini par nous trouver, par nous connaître. Il se trouve que ce mouvement qui vise spécifiquement les mensonges médiatiques, la propagande occidentale, eh ben ça se passe pas seulement en Angleterre ou en France, ça se passe aussi aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans bien d'autres pays. En Allemagne aussi. Donc c'est pas un petit mouvement, c'est quelque chose qui enfle. Avec des gens partout en Occident qui commencent à comprendre que ce que vous nous vendez comme théorie de la démocratie occidentale qui surpasserait le reste du monde, parce que le reste du monde forcément serait pourri. Nous les Occidentaux, on est tellement bien. Nos guerres, elles sont magnifiques. On n'est pas dans la propagande, on n'est pas dans des idéologies de merde. Non, l'Occident, c'est bien, c'est la démocratie. Les référendums, on les piétine quand on refuse de les faire. On nous impose de la pensée unique, mais c'est de la démocratie. Et voilà ce que condamnent, comme nous, les Anglais de Media is a Virus. Vous aviez l'occasion de pouvoir discuter avec eux. Ils sont venus depuis leur pays. Ils ont fait des centaines de kilomètres. Ils ont pris sur leurs économies pour venir en France. Et au lieu d'avoir l'éthique, la responsabilité, la curiosité de vous dire « Tiens, mais c'est pas que des Français qui viennent là. » Ah ben voilà, nous avons un journaliste qui un petit peu timide, mais bravo monsieur, bonjour. Nous savions que vous allez venir discuter avec nous du journalisme, de la Charte de Munich, de votre pensée sur le travail de LCI, pourquoi les Français sont aussi nos journalistes. Monsieur, je vous propose de venir discuter avec nous et nous faire savoir pourquoi, selon vous, les Français sont si hostiles au journalisme du mainstream. Ne vous en faites pas, on ne va pas vous agresser. Vous avez des policiers tout autour de vous et même des Anglais de Media is a Virus qui sont là. Admirez la lâcheté des journalistes. Ils ont peur. Ils nous craignent. C'est dingue, cette lâcheté, cette veulerie. Pourquoi tant de lâcheté? Pourquoi tant de veulerie? Après tout, on est bien d'accord, les journalistes représentent l'opinion publique. Enfin, la leur, l'opinion des bobos de Paris. Parce que l'opinion des gueux, c'est moins intéressant. Et quand il y a des gueux qui sont en face de soi, plutôt que de discuter avec eux, on va quand même pas se mêler à ces gens-là, quand même. Ils ont des tendances, c'est des complotistes. C'est des antivax, attention! Il va nous arriver des problèmes! Non, non, on n'est pas journaliste, nous, on vient pas poser des questions, on vient pas s'intéresser à ce que pensent les gens. Non, non, nous, on a un métier, en fait, c'est de faire de la propagande. Alors, excusez-moi, là, je cherche à rentrer dans mes bureaux, j'ai un petit peu peur. C'est pas que je vous fuis. Mais il y a la Charte de Munich, on peut parler de la Charte de Munich. Parlons de la Charte de Munich, elle a bien raison, madame. Qu'est-ce que pensez de la Charte de Munich? Est-ce qu'on l'enseigne dans les écoles de journalisme? On se pose la question. Par exemple, dites-moi pourquoi ici, monsieur, on a le droit qu'à la version occidentale otanienne sur la question du conflit russo-ukrainien. Pourquoi ici, on n'entend pas des gens qui viennent face à Yakovlev, par exemple, pour le remettre à sa place et lui dire qu'il dit que de la merde? Pourquoi ici, on n'a pas des gens qui veulent sortir de l'Union européenne qui sont interrogés? Pourquoi ici, on n'entend pas des gens qui sont furieusement hostiles à l'OTAN et aux sanctions contre la Russie qui sont interrogés? Expliquez-moi pourquoi à LCI, on entend une pensée unique. Vous êtes un vrai média? Vous êtes là pour assurer la diversité des opinions? Assurer du débat contradictoire ou de la pensée unique? N'hésitez pas à poser la question à vos collègues, votre direction, monsieur, puisque vous avez peur de nous. C'est pas du tout lâché, hein? Et même s'il n'y avait pas des flics, vous ne seriez pas agressé, monsieur. Mais oui, mais même de nous parler, c'est dire, c'est à ce point-là. On n'a pas le virus, hein. Par contre, on n'est pas vacciné, on est peut-être porteur du Covid. Voilà, Covid.
Donc quand je vous disais que c'est intéressant de les assiéger, ça permet de comprendre. Si ces gens-là venaient discuter avec nous, on n'aurait pas de raison d'être là. Au bout d'un moment, on se dirait ça va, ils nous écoutent, ils veulent évoluer. Mais non, ces gens-là n'ont même pas la décence de se dire on va peut-être discuter avec ces manifestants et savoir ce qu'on peut faire pour améliorer notre métier, être mieux vu. Donc ces gens-là, en fait, sont réellement des adversaires et se considèrent comme des adversaires. Et à partir de là, on est vraiment là désormais pour aller jusqu'au bout, être toujours plus nombreux et les assiéger. Qu'on leur foute la paix, qu'on leur foute pas des missiles pour manger. Les Américains ont tout fait avec un écran. Média Collabo, tous en prison. Qui veut descendre? Qui veut écouter et regarder le monde? Le vrai monde, il est là en bas. C'est nous le monde, c'est le peuple. Est-ce qu'il y a des journalistes courageux qui veulent s'entretenir avec nous pour parler déontologie journalistique? Pour parler de la charte de Dominique? On attend, on est là. On est pacifique et bienveillant. Et on vous attend pour échanger sur la charte de Dominique. On est là. On est là et puis on reviendra bien sûr le prochain samedi du mois. Et aujourd'hui on a même des Anglais qui sont avec nous. Il y a des gens qui envoient. On appelle le sujet très sérieux parce que ça ne touche pas à cette école. Mais c'est nous qui les payons, non? C'est avec le pognon de dingue qu'ils font de la propagande de... Macroni, j'allais dire de merde, mais il faut pas que je sois vulgaire. Ils veulent la paix, ils n'en demandent pas plus. Ils l'ont prouvé constamment. Donc, prenez ça aussi en compte. Si vous ne pas contacté par la CIA. Donc, soyez... Ce sont des journalistes Choupoutou. Choupoutou. Sautez dans le vide! Sautez dans le vide! On vous rattrape! On vous aime! On vous affectionne! Vous êtes tellement formidables! Ah, vous savez vous exprimer, c'est génial! C'est pas parce qu'on sait bien parler qu'on est intelligent, hein! C'est une formule que j'ai retenue, ça! Hein? C'est pas mal, ça! C'est pas parce qu'on sait bien parler qu'on est intelligent. Alors moi, je suis un dieu, je ne sais pas parler et je suis tout à fait pas intelligent du tout. Mais n'empêche quand même, j'ai une petite lueur d'intelligence et quand on me parle tel des propagandistes, je me dis c'est quand même bizarre, quoi. Hein? Bon, j'espère que vous vous êtes fait injecter parce que dedans, il y a de l'oxyde de graphène et l'oxyde de graphène, ça a une vertu extraordinaire. C'est que ça rend super intelligent. Non, intelligent. Ça bouge les neurones. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça. Bon, alors, juste un mot sérieux. D'abord, c'est avec notre pognon que vous avez une profession. Normalement, c'est une belle profession. Mais là, franchement, hein, avec l'histoire du Covid, maintenant qu'on s'en rend compte de ce que vous avez dit et fait dire à l'époque, mais quand même... C'est quand même énorme. Alors, vous avez encore la possibilité, mais pas pour longtemps, de basculer dans la vérité. Hein? Ayez quand même des coconesses, c'est ça qu'on dit, hein? Ouais. Coronesses. Ouais. Ouais, ben, je sais pas si on a encore, là, hein, bon. Mais là, c'est parce que j'ai vu Assange aussi, non? Ah bah, on est aussi du côté de Julien Assange, oui. Hein, vous aussi? Ah bah voilà. Mais dans la rue, on est pour les gens, nous. Nous sommes une manifestation pour dénoncer la propagande de la part. Bah, c'est les médias. Est-ce que vous avez vu les médias défendre Julien Assange? Bien sûr, moi j'ai une chronique que je défends tout le temps, Julien Assange. Ah très bien, et vous êtes dans quoi? Vous êtes sur France 24? Bien sûr. Ah bah c'est bien.